fausse prophétie. Pendant des années, elle a menti à ceux qui venaient la voir. Car ta grand-mère... Oracle ? Oui, sur la montagne. Elle m'a avoué récemment n'avoir jamais entendu les dieux. Elle avait seulement répété ce qu'on avait chargé de dire. Des gens mal intentionnés, forcément. Oui, tout à fait. Ses paroles ont déclenché des guerres. Elle ne peut rester impunie. Ma famille à moi a été déchirée par une fausse prophétie. Si c'était l'une des siennes, je m'occuperai de cette affaire. Va-t'en, Lycaon. Je sais ce que tu comptes faire. Tu ne feras qu'ajouter à la honte de notre famille. Je n'en ai pas envie, Agave. Mais au nom de la justice, Praxitéa doit mourir. Ça ne relève plus de nous. Des hommes étranges sont venus au village aujourd'hui à sa recherche. Je les ai conduits ici et ils l'ont emmenée. Ça me paraît curieux comme justice. Tu ne peux pas comprendre. C'était une vieille folle impie. Désormais, nous n'avons plus à nous en inquiéter. Et qui es-tu d'abord ? Alexios, j'ai été victime d'une fausse prophétie. C'était peut-être l'une de celles de votre grand-mère. Si on ne la retrouve pas, on ne pourra plus rien faire. Aide-moi à découvrir où on l'a emmenée. Je chercherai les indices. Que voulais-tu que je fasse ? Tu as parlé de la tuer. Une solution s'est présentée, alors je l'ai saisie. Ça ne devait pas se passer ainsi. Elle est ma responsabilité, pas la tienne. Praxitéa a dû perdre ce bracelet en se débattant. Mais un voleur ordinaire n'aurait pas laissé sur place un objet aussi précieux. Il s'est passé quelque chose d'étrange par ici ? Ah, tu tombes bien. Oui, quelque chose de très étrange. Des brigands dans la ferme de ma cousine. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont chassée de chez elle. Elle ne peut plus rentrer. Ils ont installé un campement et ils sont armés et dangereux. Intéressant, ça. Où est-ce qu'elle habite ? Pas très loin, à l'ouest. Mais si j'étais toi, je me méfierais de ces brigands. Merci du conseil. Ça ressemble à un contrat. Apportez le paquet à l'endroit convenu et sans l'abîmer. S'il s'agit de la grand-mère de Lycaon, elle devrait être en vie. Praxitéa a été enlevée et conduite dans une ferme à l'ouest. Les bandits ont reçu l'ordre de l'amener vivante. Merci d'avoir enquêté pour moi, Alexios. Je ne suis pas stupide, Lycaon. Ta sœur a mis Praxitéa en grand danger et tu m'as demandé si j'avais déjà tué quelqu'un. Tu veux que je mette fin à ces jours ? Non. Il faut que ce soit moi. Je dois la tuer. Tu n'es pas un tueur. Moi, si. Si elle est réellement coupable de tous ces méfaits, tu devrais me laisser m'en occuper. C'est ma responsabilité, je ne veux pas qu'elle souffre. C'est pour ça que je t'ai demandé de la mandragore. Ça étouffe la douleur. Mais pour l'instant, tu veux bien aller à la ferme t'occuper de ces bandits ? Je pense qu'ils sont trop nombreux pour moi. Bon, allons chercher Praxitéa. Merci, Alexios. Tu dis que la ferme se trouve à l'ouest, je te retrouve là-bas.